Je peux te montrer aussi l'autre. Ouais. Celui-ci, il est ce gym, bah là, il ne sert plus. Ouais. Celui-ci ne sert plus, donc il va, ah, il va passer en face. Okay. Et la face. Et la face, elle. On va mettre un deux tubes. Je peux ramener le 4 tubes qu'on avait tout à l'heure. 4 tubes 60. Tu veux. Ouais, ouais, ouais. Et tu le veux dans la même direction ou non, tu veux non, qu'on on va, le reprenne, on le reprend d'ici. Je remets le 4 tubes ici. Je vais passer derrière et je vais voir en écartant les rideaux. Voilà, ça c'est l'émetteur. L'émetteur HF pour lequel on branche le micro-cravate. Le petit nœud. Voilà. Alors, on veille bien à ce que ce soit branché. Je vais faire ça. Quel sens du cadre. Mmh. C'est magnifique. C'est un peu long. Là j'en mets beaucoup, c'est un peu particulier, mais c'est parce que... Parce qu'il y a la caméra, Thomas. Il s'agit de se placer autour d'une insigne militaire. Voilà. Jamais avant il a fait aussi large. Si, si. Non. Voilà. Toi, on le voit pas. Voilà, parfait, Götz. Merci beaucoup. Parfait, toi. Merci, Thomas. On devrait bouffer une arène morte. Le noir arrive, on y va. Il est là, il est là. C'est prêt ? C'est toi sur le côté.
Allez. Vous vous en sentez? Je fais ce que je peux. Nous avons évacué la plupart des armes et nous sommes en train d'endiguer une épidémie. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des brassards de reconnaissance, j'en fais porter à tous ceux qui sont en charge ici. Je vous demanderai d'enlever ça tout de suite, docteur. Présenté. Le drapeau tricolore est désormais strictement fait porter. Interdit. Sa présence sera considérée comme acte hostile à l'armée allemande. C'est très bien le brassard, mais je vous suggère le blanc, signe de paix. Et en cours, prête. Une répétition. Allez. Très bien, donc on va se remettre en place. Allez, au départ. Zéro. Non, ici. Viens un peu devant, là. Ok, c'est bon. Ça va, Thierry? Ok, merci. Ça se dissipe un peu. Ça va, Thierry? On attend une petite minute. On attend une minute. Une minute et on y va. Allez! 234 sur 2, deuxième. Et
Action ! Nous avons récupéré les armes et nous sommes en train d'envoyer un début d'épidémie. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des brassards de reconnaissance, j'en fais porter à tous ceux qui sont en charge ici. Je vous demanderai d'enlever ça tout de suite, docteur. Comment vous plaisantez? Le drapeau tricolore est désormais strictement fait apôtre. Interdit. Sa présence sera considérée comme acte hostile à l'armée allemande. Et on peut. Bien ça. Alors, c'est très bien. On va doubler ça. Top les Allemands. Et alors, docteur Marché, vous en sortez? Nous avons récupéré les armes et nous sommes en train d'envoyer un début d'épidémie. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des brassards de reconnaissance. J'en fais porter à tous ceux qui sont en charge ici. Je vous demanderai d'enlever ça tout de suite, docteur! Le drapeau tricolore est désormais strictement fait interdit. Sa présence sera considérée comme acte hostile à l'armée allemande. C'est très bien les brassards, mais je vous suggère le blanc, signe de paix. Coupé, très bien, on vérifie ça. C'est coupé, merci, on vérifie. Daniel au milieu et les gens derrière. Et on va mettre une seconde qui va être en plus serrée ici. Un gros plan de Daniel avec un Morgan Ritter et qui, dans un deuxième temps, ira chercher des gens qui écoutent. Voilà, donc on place ces deux caméras. Deux caméras sur pied. Je te demande, tu vas faire. Comment ça comprend ta femme, bordel. Et non, si jamais on l'emmène.
sais que si je te demande, il faut que j'ai acheté de la pâte à feu. La pâte à feu. Il a acheté du zip. On monte ? Bah oui, si tu veux, c'est ton bien. Portez l'aide. Ah, tout c'est long. Oh là là. C'est le sens de la répartie qui te caractérise. C'est le quota. Oh là là. C'est pas le temps de la respiration. C'est le ticket de c'est clair qu'il connaît. Il n'y a pas le temps de la coupe, hein. Non. On dit, franchement. Voilà, et puis l'autre, on le. Faut faire baisser ça. Voilà, on va en mettre un autre. Ouais, mon petit. Il devant à droite. Silence ! Je suis bien content de poète espagnol. Il est chanteur. À chaque fois, il reste un peu. Un poco de agua. Bueno, toma. Toma un poco de agua. Personalmente. Vamos a buscar algo, por fin aquí le cae la enfermería. Apúrate, apúrate. Detrás del armario, detrás del armario. Donc là, on est en train de préparer des choses, des impacts de balles en fait, qui seront simulés avec des détonateurs et des blocs de liège, donc à l'intérieur de la poussière. Et tout ça, ce sera caché, fondu dans le décor. Donc c'est une matière sombre et non dangereuse, quoi. C'est du liège naturel, quoi. Voilà, il est un peu bruni parce qu'il est passé à l'étuve. Et tout ça, ce sera fondu dans le décor, caché avec des objets et tout. Et au moment donné, quand les tirs auront lieu, nous, on envoie une impulsion électrique dans le détonateur qui explose et qui envoie en fait la matière dans l'espace avec les comédiens. Et on aura eu l'impression que la balle a traversé un objet et tout. Voilà, ça ne provoque théoriquement aucun danger pour les acteurs ou les figurants. Voilà. Tout ça est bien relié en fait avec des fils électriques. Jusqu'au récepteur en fait, et donc après l'émetteur est là comme une télécommande de télé, donc on programme notre séquence, et après au moment de tourner à l'action
au moment des tirs, on envoie la séquence. Et après, il se déroule. Donc là, c'est 16 départs. Donc il y aura 16 impacts qui seront cachés dans le décor. Plus après, d'autres choses avec du paintball. On enrichit avec beaucoup de choses, quoi, en fait. Des impacts sur corporels, mais ça, c'est individuel sur le comédien. Et des impacts sur les murs avec du paintball. Voilà. Comme de la peinture, mais au lieu que ce soit de la peinture, en fait, c'est des boulettes de poussière. Voilà. Adaptées au cinéma. Ouais, en fait, on est obligé, tu vois, de repérer à la base et à l'entrée, parce que des fois, ça change, tu vois, suivant le mode de l'action. Par exemple, celui-là, si je l'ai mis en premier, tu vois, et que apparemment il veut apparaître plus par là, bah, celui-là, il sera en deuxième, et celui-là, tu vois, il faut que je puisse là-bas les reconnaître, ouais, voilà. Voilà. Donc, tu les as tous numérotés, là. Ils sont tous numérotés, aussi bien ceux de Titou et les miens, voilà, comme ça, on peut changer. Ou, tu vois, là, c'est numéroté de 16 à 1, et on peut inverser la rafale, tu vois, on peut l'inverser, ou alors complètement la mettre disparate, quoi, tu vois. Et là, c'est un peu... Ouais. Il faut créer le câblage, quoi. Donc, tu vois, on a pris une petite demi-heure pour câbler. Donc là, tu vois, il y a les petites étiquettes qui seront... donc après, tu as notre séquenceur qui va être là et qui va être caché par la chaise ou un autre accessoire. Tu sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je te parlais, tu vois, du même... la même couleur, en fait, le même ton, donc tu t'en aperçois même pas. Combien ? 12, 10, 1,50€.
Oui, d'accord. Jusqu'à ta sorte. Alors, messieurs, on va répéter. Je ne sais pas si on va expliquer tout ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est que, dans un premier temps, l'officier allemand va demander qu'on retire les brassards tricolores. Après ça, il va sortir un papier. Sur ce papier, il y a la photo de quelqu'un qui est recherché par les Allemands, qui est un résistant anti-allemand. Il a des informations comme quoi cet homme est dans l'église. Donc, il va demander à tous les soldats de fouiller l'église. Là, on va répéter ensemble qui va aller où. Et les deux personnes qui sont censées tirer, qui sont les deux. Voilà. Vous, on vous placera, on profitera de cette répétition pour vous placer au bon endroit par rapport au moment où on va faire les rafales. Sachant que la personne que vous allez trouver, c'est Xavier, et que pour l'instant, il est caché dans la dernière alvéole au fond à gauche. Hein? Donc on va mettre tout en place, et puis après, on va travailler un petit peu dans le désordre. Ça, c'est pas grave. D'accord? Les soldats, reprenez vos positions comme vous étiez avant de déjeuner. Voilà, on est prêt. Action, Goethe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un brassard dans tous les sens que je suis maître à tous ceux qui sont en charge. Je vous demanderai d'enlever ça tout de suite, docteur. Le drapeau tricolore est désormais strictement verboten ou interdit. Sa présence sera considérée comme acte hostile à l'armée allemande. Maintenant, merci. Voici les directives. Maintenant, je suis perdu. Du commandement militaire allemand. Voici les directives du commandement militaire allemand en France. Vous voudrez les bien faire publier dès que possible et les faire respecter scrupuleusement par la population. Les sanctions en cas de manquement sont assez sévères. Allemand. Par ailleurs, selon nos informations... En allemand, toi, tu l'apprends. Comme ils disent en allemand, toi, tu parles allemand, tu l'apprends. Ah, est-ce que... Par ailleurs, selon nos informations, est-ce que je peux avancer, faire mais pas trop. Je t'expliquerai pourquoi. C'est pas nécessaire, je voulais seulement... Non, tu peux essayer, c'est parce que sans le fait de... Attends, alors là, on pensera une chose, mais dans le fond, vous avez chacun reconnu un des Allemands à qui vous êtes allé parler dans la salle. Il fait partie d'une liste de personnes que votre gouvernement, dans la convention d'armistice, s'est engagé à livrer à l'Allemagne. L'armistice est en vigueur actuellement. Sois revenu ici pour que ton poste de tir tout à l'heure, qui inclura les impacts d'effets spéciaux, tu le fasses de là. D'accord? Ça sera pour toi. Les autres, venez avec moi. Alors, ceux que j'ai dispatchés ici, vous restez là. Et c'est qui? Les autres, vous avancez. À des rythmes différents, on verra ce qui se passe. Il y en a qui vont vite, d'autres qui vont moins vite. Toi, tu rentres là. Par exemple, tu auras des dames assises, tu leur feras signe de se lever. Tu viendras voir ici, tu vois, il y aura des reprises de plans, de tout ça. Voilà. On avance. Pendant ce temps-là, il y en a un qui avance ici. Ou alors toi, tu avances. Toi, tu vas me faire les deux. Regarde, tu vas rentrer là, tu vas revenir ici. Il m'en reste combien? Toi, tu vas venir là. Voilà, ici. Tu vas venir là. Et il faut qu'il y en ait un qui rentre dans l'infirmerie. C'est celui qui va tirer la rafale comme ça. C'est Michel qui arrive, là. Donc, Michel. Oui, oui, très bien, je vais lui montrer. Voyez, on va se déployer en épi comme ça. Hein. Donc, Michel, à un moment, tu vas finir en tête de pont, tu vas rentrer dans l'infirmerie. Pendant ce temps-là, moi j'aurai un plan de Xavier qui est là-bas, qui sent que ça s'approche. Comme tu sens que ça s'approche, il y a tes potes qui vont se mettre devant parce qu'ils savent qui tu es. Et toi, tu vas essayer de t'enfuir. Je vais te dégager ici. Voilà. Tu vas essayer de t'enfuir par là. Il y a un moment où tu vas arriver dans votre truc, tu vas faire tomber les deux. Ça va alerter les mecs. Et toi, il faut. Après, je vais faire en sorte que tu essayes de passer tout ça. Alors, toi, je vais zapper un peu, je te verrai courir là. Et toi, tu vas ressortir, comme tu seras alerté. Et ici, on va laisser un peu d'air, de manière à ce que toi, à un moment, tu le vois ici passer, tu tireras. Mais ça sera juste une rafale d'armes. Et toi, tu te feras descendre dans cette zone-là. Criminel sera sévèrement puni. Alle meine Kirche durchsuchen! In 5 Minuten Meldung! Der Hofmeister sichtet einen Handschuss in die Luft
damit die Beine aufpassen. Besançon braucht den Mann leben. Er ist hier nicht noch verhören. Abtreten, marsch! Il y a une gueuse qu'on voit sur le lit. Tu vois, Philippe, il y a une gueuse qui est sur le lit, qui tient un drapeau. On commence par lui, en fait. On fait lui, parce qu'il s'en va manifester. Oui, oui. Donc on s'occupe de lui, en fait. La réaction. Oui, oui, oui. Les gens qui action. Coupez, on vérifie. Allez, on bien, coupe. Ça bien, okay, on vérifie. Très bien, très bien. On vérifie que celle-ci. Alors, maintenant dans l'ordre, on démarre la fouille. On démarre la fouille par les soldats qui va générer la fuite. Sinon, après, j'aime bien. Donc, Thierry Jo, on part. On va repartir de là-bas. Quand mon super. Réacteur, après, quand tu veux faire passer justement les. Dis-moi tout. Celui-ci, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il coupait. Ah non, il te coupait dans l'autre. C'était dans tout à l'heure, en fait. Celui-là, il joue plus, ouais. Un peu.
La deuxième, on laisse une caméra en bas, on mettra une caméra là-haut qui permettra de panoter de là au deuxième tireur là-bas. Ouais, d'accord. Moins de bruit comme ça. Ouais, on peut être parti. Action! Sortie d'Ignacio. Trop tard, Ignacio. On va refaire une répétition avec les gens présents dans le cadre parce que j'ai peur que... C'est bon pour tout le monde ? Où ça ? Ils vont se planquer, hein. ils se baissent et ils se retournent de l'autre côté. Ok, arme prête. Stop la fumée. C'est bon pour la fumée, Thierry ? Et moteur. Ok, moteur demandé. Tu fais le action. Ça tourne. 236 sur cette première, deux caméras. Et tout. C'est bon pour vous ? Ouais. Allez, on y va. Alors, moteur. Ça tourne. Tourne. 236 sur 7, deuxième, deux caméras. Mais tourne.